Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une conversation avec vous. Je veux savoir pourquoi vous pratiquez le mountain bike. Personnellement, j'aime le défi, la vitesse, le fait qu'il faut être dans le moment présent, le fait également qu'on est dans la forêt et la communauté de mountain bike qui est vraiment cool au Québec. J'adore le défi du vélo de montagne puisque je débute seulement ma troisième saison en 2022. Donc, j'en ai encore beaucoup à apprendre et à maîtriser pour me rendre au niveau que je désire. On parlera de mes buts et des vôtres dans un prochain vidéo. Le vélo montagne est un excellent exercice cardiovasculaire à faible impact sur le corps, à moins bien sûr de frapper le sol ou un arbre. Et on ne remarque pas qu'on fait de l'exercice parce qu'on s'amuse, on le sait, on le voit toujours quand on est en pause au travail, c'est là que le temps fait ping et ça passe super rapidement. C'est également une excellente façon d'éliminer le stress et les tracas pour quelques heures parce qu'on doit être dans le moment présent. On s'entend? Il faut être concentré quand on fait des rock gardens, des drops et des choses de même. Après et pendant une ride de mountain bike, on se sent toujours bien à cause de l'hormone norépinéphrine qui est dans notre système lorsqu'on pratique l'activité. Et ça, c'est un mot qui est difficile à dire. Non seulement ai-je découvert une superbe communauté de passionnés, mais je dois avouer que tous les gens que j'ai rencontrés sont vraiment incroyables. La personne la plus chiante que j'ai rencontrée, là, je vais vous le dire, là, c'est moi-même. J'aime le mountain bike aussi parce qu'on doit être dans le moment présent pour rouler. Ça m'aide beaucoup avec mon trouble de personnalité limite. Et oui, je souffre de TPS qui explique en partie mon intensité, mon désir de plaire à tous, mon impulsivité, mon ouverture à prendre des risques parfois un peu trop grands et ma recherche d'amélioration continue. Mais faites-vous-en pas, je suis pas si cinglé que ça. Ensuite, comment ne pourrais-je pas parler des paysages que l'on côtoie lors de nos rides, que l'on voit quand on se rend au réseau et que l'on apprécie lors d'une pause pendant notre ride? La fonte peut également être une belle surprise. Par contre, il ne faut pas la frapper parce que ça va faire mal. Le vélo de montagne m'apporte beaucoup de joie, de créativité, de plaisir, de développement. Ça m'a également donné de merveilleuses rencontres et j'ai un désir d'aider la communauté. Voilà pourquoi je pratique le mountain bike. Et vous, pourquoi faites-vous du vélo de montagne et quand retirez-vous? Laissez-le moi savoir dans les commentaires en dessous du vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers! À cause de l'hormone norépinéphrine qui est dans notre système pendant qu'on fait l'activité. On va recommencer ce petit bout-là.